nothing like a good goal. Yeah. Vous étiez quelques-uns à me le proposer. Ça fait déjà plusieurs mois que je voulais faire ces armes de façon primitive. Et on va s'inspirer des armes des marcheurs blancs dans la série Game of Thrones. Pour une fois, je ne vais pas réaliser les mêmes armes, mais elles seront inspirées. Donc ce sera tout simplement des armes en verre. Ce sera à peu près le même style, mais pas le même modèle. Donc ce ne sera pas un copier-coller. On va réaliser une lance en verre de 50 cm pour une épaisseur de 5 mm. C'est le maximum qu'il y avait en magasin, il n'y avait pas plus. Alors sur ce coup, je pense pas que je vais réussir vu que ça va se casser. Le verre est beaucoup trop fin. Pour la seconde arme, on va utiliser une plaque en verre. L'épaisseur de cette plaque fait 1 cm, c'est largement assez pour faire une épée. Et enfin, la dernière arme sera tout simplement un couteau que je ferai gagner en fin de vidéo. Le concours va se passer sur Twitter et non sur YouTube. Sinon, ça va être un bordel encore une fois dans les commentaires. Il y en aura plus de 8000, ça va être... Je vous mettrai juste le lien en description et t'as juste à faire 2 clics et puis voilà. Avant de faire la vidéo, je me suis entraîné à faire quelques modèles et au bout du 4ème, j'ai commencé à comprendre comment il fallait faire, où est-ce qu'il fallait taper pour avoir cet aspect. Et le résultat est plutôt pas mal. J'aurais très bien pu faire des lames en verre dragon, sauf que l'obsidienne est dure à trouver, surtout en grosse quantité. Ils vendent des petits cailloux à 10€ et bon, c'est pas la peine, on va pas faire une petite lance de victime là. Voilà. Yeah. Ah, on va tout de suite commencer. Cool. On va tailler du verre avec cet outil. On peut le faire aussi avec du bois de serre. Je vais pas m'amuser à victimiser un serre juste pour lui prendre les bois. Je l'ai fait à partir d'un manche à balai, d'une mèche de 10. Et au bout, j'ai mis un tube en cuivre. On va tout faire avec celui-ci. Et pour les finitions, on va utiliser une lime que j'ai taillé au bout. Tu verras à quoi ça sert après. On va passer au verre. D'abord, tu vas t'asseoir sur un tronc. Tu vas écarter les cuisses. Sinon, tu vas te découper les couilles. Après, tes potes vont t'appeler Théon Greyjoy. Ça pue la mort, il y a un sanglier qui a crevé ici. Je vais utiliser le morceau de papier bulle, tu le mets sur ta cuisse ici, et en fait on va travailler là-dessus. Normalement tu poses une peau de bait pour pas te blesser, pour éviter les éclats de verre, donc voilà, c'est juste une sécurité, et parce que le cuir c'est résistant. Encore une fois, je vais pas m'amuser à niquer un cerf pour prendre sa peau et à le mettre sur la cuisse. Je vais prendre le papier bulle qui a été donné avec le verre, donc dès que je l'ai acheté, il est emballé avec, et je vais le réutiliser pour me protéger la cuisse. Un spinner ou pas un spinner? Voilà, oula. On va d'abord commencer par faire une épée. Tout ça, ça va être la lame. Tout là, il y aura le tranchant. Bah, derrière là aussi. Si je veux prendre un morceau de verre, faut qu'il soit cassé net et non comme ici, vu que là, il est travaillé. Là, tu vas bien galérer. Si tu donnes un coup en bas, t'as une grosse fissure qui va apparaître. Tandis que là, le verre est cassé net. Et cette partie, c'est la plus intéressante parce que ça va être beaucoup plus simple à travailler. Donc voilà, tu vas prendre le morceau que tu veux travailler. Tu le poses sur ta cuisse comme ça. Vu qu'on va travailler cette partie, je prends un chiffon pour me protéger la main. Donc voilà, tu le tiens comme ça. Et tu vas prendre ton percuteur tendre. Et l'idée c'est de taper juste en bas. Si tu prends le percuteur et tu tapes de cette façon en bas, là tu vas enlever un gros morceau et ça va casser net. Enfin, le verre va pas casser, mais tu vas enlever un gros morceau que tu pourras plus travailler après. Enfin, si, mais ça va être compliqué. Donc du coup, on tape de côté. Donc l'idée c'est juste de taper en bas, pas au milieu ni en haut. Si tu tapes en haut, le verre va casser net et ton épée tu te la mets dans. Si tu tapes au milieu, ça va faire un gros éclat. Et si tu tapes juste en dessous, le côté tranchant, tu vas enlever un petit éclat qui va ressembler à un coquillage. Alors on va essayer. Alors, normalement, j'ai le morceau de coquillage que je t'ai parlé là. Voilà, on cherche à enlever ça en fait. Et ça fait ça. Donc on va faire ça sur tout le long et on tape à chaque fois en dessous, pas au milieu ni en haut. Si tu tapes en haut, c'est bon, c'est foutu, tu vas casser ton verre. Allez, c'est tarpillé.
Pour l'épée, c'est bon, la lame est presque terminée. Il reste juste les finitions que je pourrais pas faire avec la lime vu que le verre est beaucoup trop épais. Et en début de vidéo, j'ai dit que je ne réussirais pas à faire la lance et c'est le cas. Donc à la base, il y avait tout ça. Et vu que le verre est trop fin, bah ça se casse. Du coup, on a juste ça, c'est pas terrible. Maintenant, on va fixer les lames à des bouts de bois, c'est tout simplement du noisetier. Vu que c'est résistant et assez souple, j'utilise ça à chaque fois. Le vent, oh, vu le temps de merde qu'il fait, il va pleuvoir. Bon ben, à demain. À demain. On a nos trois éléments. On a d'abord le couteau, plutôt le poignard si tu veux. J'ai failli me couper. Ensuite, on a la lance qui devait être beaucoup plus grande. Et puis, on a la lame. On va accrocher le bout de bois à cette partie. Le bois arrivera jusqu'ici et on verra encore le verre. Ouais, je sais pas, on verra. Et c'est celui-là que je vais faire gagner. Voilà le fameux bâton. Il est beaucoup trop long. On va le couper à la moitié. Et on va le mettre juste ici, là. On va le couper là. À la moitié. Pour fixer les deux ensemble, on va utiliser une méthode qui se fait depuis perpète. On va récolter une grosse quantité de sève qu'on va faire fondre. Ensuite, on va les mélanger avec de la cendre. Et enfin, on va l'appliquer sur le verre. Ça, c'est l'idée, ça bougera plus jamais de sa vie. J'avais déjà fait fondre de la sève et voilà ce que ça donne. Ça sent plus du tout la sève. C'est stylé, malgré des cristaux. Bon, retour à l'atelier vu qu'il pleut encore une fois. Du coup, je vais continuer dans l'atelier, c'est un peu dommage parce que c'était bien là-bas. On va d'abord commencer par l'épée et on fera des gravures pour camoufler, tu vois, les traces là. Après, on va faire la lance avec le côté pointu ici. Et enfin, le couteau. On fera un petit avec celui-là aussi. Du coup, il y aura deux gagnants et non un directement sur YouTube. Encore une fois, je vais choisir un commentaire au pif. T'as juste à mettre un commentaire en rapport avec la vidéo. Puis, je sélectionne et puis... Bref, bon, j'ai aussi pris le bout de bois qu'on va couper au milieu. Je vais d'abord enlever l'écorce. Ensuite, tailler le bout. Faire une entaille ici pour faire passer la lame. Et après ça, on fera la colle. On a tout ici. Go! Donc on va préparer la colle et ensuite on mettra cette ficelle tout autour. Donc c'est un aspect naturel, en fait c'est du plastique. Et pour le manche on va utiliser du chanvre qu'on va enrouler tout autour du bois. Après pour le style on laissera dépasser des ficelles comme ça. How are you? I am under